La Savoie, la Haute-Savoie, bienvenue. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Ils sont venus en car, en avion. Je viens de Tahiti, j'ai fait 20 heures de vol. Ou à vélo. On a fait beaucoup d'étapes, 6 jours de vélo. Donc à peu près 30 km par étape. Et là on est épuisé mais c'est génial, il y a plein de monde et tout, ça va être génial. 18 000 scouts de 11 à 14 ans répartis sur plus de 50 hectares. Il faut quelqu'un aux quatre angles pour le toit. Première étape, l'installation des campements sous la pluie. On essaye de monter rapidement les tentes pour pouvoir mettre les sacs au sec en fait. On n'a qu'une bâche donc on aimerait bien que les tentes montent rapidement, voilà. Au programme de ces 5 jours, jeux de piste, temps d'échange et animations en tout genre. J'ai envie de rencontrer deux scouts qui viennent par exemple de Martinique et la seule chose qu'on a envie c'est de s'amuser. Un maître mot pour les organisateurs. C'est avant tout la rencontre, c'est pouvoir rencontrer les autres, remarquer aussi qu'on n'est pas tout seul de 11-14 ans et qu'il y a plein de choses à vivre tous ensemble, c'est du vivre ensemble. Ce rassemblement, c'est un an de préparation, 3000 tentes à monter, 68 000 petits déjeuners à servir et 750 litres de gel douche écolo à écouler jusqu'à mardi prochain.